Je suis Kwadio Afri Florence à l'état civil, mais mon nom d'artiste c'est Floppy Mendoza. Mendoza, c'est tout simplement mentalité douce et sage. Floppy, ça vient tout simplement de Florence. En fait, j'aime pas trop le prénom Florence, ça fait trop ancien temps. Donc, j'ajoute un peu de pi pour essayer de caresser le nom Florence. En face du feu, il y avait un jeune homme, un bel homme. Il s'adressa aux filles. Je me nomme Cicéron. J'ai été issue de ce feu qui vous a réchauffé toute cette nuit. Je ne demande qu'à me marier à la mère de ce feu. Présentement, je travaille avec la compagnie Naforoba, qui est une compagnie de contes qui participe à la promotion du conte. Et c'est avec Adama Adepoju qu'on appelle Taxi Conteur. Donc présentement, c'est avec lui que je travaille. Ça fait 3 ans même, effectivement, que j'ai commencé à travailler véritablement. Quoi. Vous connaissez, non? Beaucoup bavardes. Mort dans la grosse. Obèse et paresseuse. En revanche, elle savait faire le feu et elle était très excellente en cuisine. Et un jour, comme à l'accoutumée, les trois filles décidèrent de faire le feu pour le dîner. Le conte fait partie de nos valeurs. Et avant, à travers le conte, on enseignait plus la morale. Et de nos jours, on peut dire que la population va un peu à la perdition à cause de la modernisation et autres. Donc, on est obligé de ramener ces personnes-là. Et on sait qu'à travers le conte, on ne peut pas trop choquer parce qu'on passe par des histoires pour essayer de montrer un peu le mauvais côté, ce qui n'est pas bien et qu'est-ce qu'on risque d'avoir au cas où on continue dans ce qui n'est pas bien. Chacun de nous a ses qualités et ses défauts. Essayons de les conjuguer si nous rêvons d'un lendemain meilleur pour notre pays. Car c'est le chevauchement du pied gauche et du pied droit qui font avancer rapidement. N'est-ce pas? Je me dis qu'il faut qu'on arrive à promouvoir vraiment le conte. Nous avons beaucoup de richesses, donc il faudrait que nous fassions la promotion de ce que nous avons. Donc c'est un peu ramener les Ivoiriens à prendre conscience de ce qu'ils ont, leur culture. L'unité, l'union, il faut s'entraider, la solidarité, c'est un peu ça que je développe. Ce fut donc dans une satisfaction générale que les trois filles se rassemblaient autour du feu. En chantant et dansant, elles dégustaient le rôti d'antilope. Néo! Néo! À ce niveau, les choses devenaient intéressantes pour nos trois filles. Perdues dans cette forêt aussi touffue que vaste, et voilà qu'un jeune homme apparaît et il cherche faim. Elles se regardaient, surprises, médusées. Il y a beaucoup de conteurs et je suis vraiment contente que ce soit moi qui vienne ce soir pour essayer d'égayer un peu la population et puis essayer de conscientiser la population. Je suis vraiment contente parce que on peut dire donc que c'est maintenant que moi on apprend à me connaître un peu dans le domaine du conte. Donc, ce que je recherche le plus, c'est de trouver un endroit où m'exprimer parce que on n'a pas cette occasion d'avoir des endroits où on doit faire le conte. Et pour le Festival des Arts de la Rue, je suis vraiment contente d'y participer. Allez,